Conjugaison dans la série Un verbe par jour. Le passé composé, Mister D vous accueille aujourd'hui pour le verbe numéro 5, le verbe faire. Faire comme faire du sport. Petit rappel, avec quel mot emploie-t-on le passé composé ? On utilise le passé composé quand c'est déjà fini, quand ça a déjà eu lieu. Donc par exemple avec avant, ou hier, ou le mois dernier, ou la semaine passée, ou il y a quelques temps. Il y a encore d'autres formules possibles, bien sûr. Comment conjugue-t-on le verbe faire au passé composé ? Observons bien l'infinitif, F-A-I-R-E, faire. Eh bien, c'est un verbe du troisième groupe, puisque c'est un verbe en re. C'est un verbe irrégulier, c'est un peu plus difficile à conjuguer, mais au passé composé, ça n'a pas vraiment d'importance. Au passé composé, on le conjugue en deux mots. Tout d'abord un auxiliaire, et ensuite un participe passé. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un temps composé, il est composé de deux mots, deux formes verbales ensemble. Alors l'auxiliaire avoir, ben, il est conjugué au présent. G-A-I, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et puis ensuite on trouve un participe passé qui ressemble à l'infinitif, comme fait, F-A-I-T. Observons-le. J'ai fait, première personne du singulier, J apostrophe, pronom personnel. G-A-I, c'est l'auxiliaire avoir, il est venu aider le verbe faire. Et fait, F-A-I-T, c'est le participe passé, on va le retrouver 6 fois de suite dans la conjugaison. Conjuguons-le. Faire, G-A-I, fait, F-A-I-T. Tu as A-S, fait, F-A-I-T. Il a, fait, F-A-I-T. Elle a, fait, F-A-I-T. On a, fait, F-A-I-T. Nous avons, O-N-S, fait, F-A-I-T. Vous avez, E-Z, fait, F-A-I-T. Ils ont, O-N-T, fait, F-A-I-T. Elles ont, O-N-T, fait, F-A-I-T. Relisons-le. J'ai fait, tu as fait, il a fait, elle a fait, on a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait, elles ont fait. Entraînons-nous maintenant avec les trois phrases du jour. L'an passé, vous avez fait du sport. C'est une question, c'est une phrase interrogative. L'an passé, vous avez fait du sport. Hier, il a fait chaud. Hier, il a fait chaud, c'est une phrase normale. Ce matin, elle a fait des efforts. Elle a fait F-A-I-T. Relisons les phrases. L'an passé, vous avez fait du sport. Hier, il a fait chaud. Ce matin, elle a fait des efforts. Voilà, c'était le verbe faire au passé composé. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt les amis.